Donc, nous sommes dans les années 1970-80. On commence à peine, si vous voulez, à se rendre compte que le développement est peut-être un piège ou qui a des coûts cachés trop lourds à supporter. C'est les années de la crise, la première crise de l'énergie. Moi, je l'ai vu venir de loin, si vous voulez, dans un sens un peu bizarre. Chez les Wakonongo, à côté de ma petite case, il y avait un brave bonhomme, Jacobo Ramadani, un peu plus âgé que moi, donc sous la trentaine, avec une femme et deux enfants. C'était le type le plus, qui se débrouillait le plus au village. Il chipotait avec des transistors, il réparait des vélos, il faisait le maçon à ses heures. C'était le type qui parlait le mieux le swahili, parce qu'en Tanzanie, les gens parlaient le swahili hors réserve indigène. Chez eux, ils parlaient leur langue locale. Mais quand ils avaient affaire à des étrangers, ou assez souvent d'ailleurs entre eux, il se servait du swahili, qui était une espèce de lingua franca. Je l'ai vu un jour, les pluies revenaient toujours presque identiquement, année après année, le 1er novembre. Ça tombait bien, parce que c'était la fête des morts dans les calendriers, et la pluie dépend des ancêtres. Bon, une fois, le calendrier occidental chrétien coïncidait avec le vécu africain. Et donc, je l'ai vu au début de la saison des pluies, début novembre, s'esquinter à planter son tabac, à zapper, à houer ses champs pour le maïs de subsistance, à courir à droite et à gauche, chercher de la paille pour refaire le chaume de son toit, parce que donc, il ne faisait pas beaucoup d'attention à leur maison, et parce que pendant 6 mois, il ne pleuvait pas, et donc les termites bouffaient tout, il y avait des trous partout, mais quand il pleuvait, eh bien, ça douchait partout. Alors, il fallait absolument. Il y avait un moment de l'année où c'était, ils couraient dans tous les sens, ils étaient pris jour et nuit par 36 travaux, et donc ils étaient très dispersés. Alors moi, je me suis dit, si je lui amène de la tôle ondulée, une fois pour toutes, il a un beau toit, et il peut se consacrer à son cash crop, à sa récolte rentable, qui était le tabac, si tu veux. Donc, je suis allé le voir. J'ai dit, Jacobo, bon, je retourne en ville la semaine prochaine. J'ai un ami arabe qui transporte mes affaires gratuitement. Je peux te ramener une dizaine de tôles ondulées, comme ça, c'est pas cadeau. Oui, il a dit, d'accord, je paye. Il ne faut pas infantiliser les gens. C'est une bonne idée, comme ça, je suis libre à investir dans des trucs qui vont rapporter. Je rentre chez moi, donc 2 secondes après, il toque à la porte. Mike, j'ai réfléchi un peu, mais 6 mois qui suis parmi les jeunes du village, je suis le premier à mettre de la tôle ondulée, parce qu'il n'y avait personne qui avait de la tôle ondulée. Les vieux, par jalousie, vont envoyer des hyènes manger les tripes de ma femme. Alors moi, j'ai dit, mais quel bel exemple de la superstition stupide. J'étais sorti du satanique, donc c'était une stupidité sauvage, qui empêchait les gens de se développer minimalement. Mais quel bel exemple! D'abord, l'image de ces hyènes mystérieuses, téléguidées par les vieux, une explication de la sorcellerie. Ils ne savaient pas que j'avais lu Evans Pritchard, pour savoir que la sorcellerie décodée, c'est la jalousie.
et surtout cette solidarité de la famille africaine. J'aurais dit ici, c'est toi qui as mis la tôle, c'est toi qui payes, mais lui, non, c'est des, ils allaient, il en voulait à sa femme et à ses enfants. Et donc, voilà, dans mes carnets, j'ai encore voilà, un bel exemple, entre guillemets, des superstitions ancestrales comme obstacle au développement. Même au ras des Pacarets, c'est pas un barrage 5 étoiles, c'est de la tôle enduite. 10 ans après, quand je fais mon dossier sur la Who's Who in African Witchcraft, qui fait quoi dans la sorcellerie africaine, pour Promonde Vita, il s'est passé beaucoup de choses. Ça veut dire, on n'est plus dans l'euphorie taillardien, point oméga, progrès, etc., etc. On est plutôt dans le désespoir et l'absurde de Camus, et la crise de l'énergie, les ressources planétaires limitées, etc., etc. Et donc, il y a eu un changement de paradigme, d'horizon herméneutique entre-temps qui a fait qu'il fallait revoir sérieusement mes données. Et ça, c'est un truc épistémologique absolument crucial dans mon esprit. C'est, entre guillemets, le travail de terrain est de nouveau un ethnocentrisme extrêmement équivoque. Ça veut dire, bon, on boulotte, on travaille, mais d'abord, le travail est une invention occidentale. C'est Calvin qui a pensé à ça. Les gens ne travaillaient pas avant Calvin. Ils boulottaient, ils s'activaient, mais ils ne travaillaient pas pour gagner du fric au service d'un patron. Le travail est quelque chose, ce bouquin est là. Sens du travail chez les modernes. On est dans un monde post-travail. On ne va plus travailler. Non, pas seulement parce qu'il n'y a pas de travail, c'est que le travail est une création occidentale. C'est un fait occidental qui disparaît désormais dans le décor. Donc, travailler sur le terrain, on ne travaille pas sur le terrain. On dialogue avec des gens. Et des gens, c'est l'activisme occidental, c'est l'activisme écologique. Tu reçois. Les gens donnent ce qu'ils sont. Les data, c'est vraiment ça. Ils te font cadeau de ce qu'ils sont. Et toi, tu le cueilles comme un don. C'est une oblation, une offrande gratuite, souvent, de leur part. Mais ce que toi, tu reçois comme data, comme matériel, comme simple donnée, sont déjà des faits. Ça veut dire, les Wakonongo ont déjà actualisé, factualisé. C'est des choses qui se sont construites. Les sorciers, la possession, le chef, les Waganga, et tout ça, sont des faits, sont leurs faits à eux, mais qui sont des données pour toi, que toi, tu dois retravailler toi-même, tu dois faire un sens en revenant avec ces données-là. Et ce qui est intéressant en anthropologie, c'est que les données ne changent pas. Les données restent à tout jamais, ils sont là au niveau de l'ethnographie, au niveau des épaisseurs, ça ne s'épaissit plus. J'ai tous mes données, ce cas de la tôle ondulée, ça ne change pas. Mais son sens change de fond en comble. Là où j'ai factualisé, là où j'en ai fait un obstacle au développement, 10 années après, les mêmes données donnent à penser en termes de sécurité sociale. Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire mes données? C'est que si tout le monde n'est pas en mesure de choisir de la tôle ondulée, personne ne le fait. Il y a une solidarité conviviale, collective, qui fait qu'on ne permet pas à des individus de foncer d'eux-mêmes là où bon il leur semble pour leurs profits personnels. Ou tout le monde sera en mesure d'avoir de la tôle, ou personne. Et les histoires d'IN, c'est un frein. C'est une sorte de mécanisme de redistribution. C'est intéressant parce que c'est les mêmes données, pas les mêmes faits. Il n'y a pas un fait. Bon, il y a le fait de ce que lui a imaginé, mais moi, je le reçois. Il me le donne, c'est un datum pour moi. Et moi, je dois refaire, travailler là-dessus pour dire mais ça, quelle est sa portée. Bon, j'ai fait un premier fait. Et puis, je le défais et je le refais comme ayant cette portée de sécurité sociale. En l'absence de sécurité sociale étatisée, il faut absolument que les uns n'aillent pas trop vite et trop loin
par rapport à ce que la collectivité peut se permettre, si tu veux. Et donc, voilà, là, pourquoi est-ce que je parle de ça? Du développement. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, dans les années 70, le développement commence à faire problème. Avant, il allait de soi que, comme disait Rostow, on décolle, il y a des étapes de décollage. Dans les années 50-60, tout le monde était sur les pistes de décollage. Les uns avaient déjà décollé, les autres se mettaient en file et tout le monde allait décoller et on allait tourner en orbite dans l'éco-développement, le développement durable, le développement populaire, participatif. On avait quand même enlevé un peu trop les relents capitalistico-égoïstes du développement. C'était un progrès pour tout le monde, c'était des cliniques en brousse, c'était des écoles publiques, c'était etc. Mais on commençait quand même à se rendre compte, c'est à ce moment-là, dans ces années-là, au début des années 80, que je croise Latouche pour la première fois à Bruxelles. Il était venu dans une commission écuménique au service du marché commun. Et on a beaucoup sympathisé tout de suite parce qu'on était... J'avais pas les mêmes capacités d'écrit ou de réflexion que le brave Serge, mais je sentais aussi que le développement, ça faisait problème, si tu veux. Ça faisait problème, pas tellement théorique, mais pratique. On commençait à se rendre compte qu'il y avait des problèmes d'énergie. Est-ce qu'il y avait assez d'énergie pour tout le monde? Et ainsi de suite. Et à Dakar aussi, on commençait à se rendre compte qu'il y avait des coûts cachés, des effets pervers dans le développement qui hypothéquaient, si vous voulez, le projet même. Et que, presque sans le savoir, les gens à qui on proposait des projets de développement ne les mettaient pas en œuvre ou ne pouvaient pas se permettre le luxe de les mettre en œuvre. C'était l'exemple de la tôle ondulée, quoi. Que le coût était trop lourd à supporter, même à des... C'est l'histoire du puits, si tu veux. Je fais un projet aussi minimaliste et aussi approprié qu'un simple treuil pour accélérer... l'exode de l'eau, et puis tu te rends compte que ça casse une convivialité, un être et être ensemble social que les gens ne veulent pas sacrifier, même pour avoir de l'eau plus vite, etc. Donc il y a des choix de société qui ne sont pas à ce point conscients et critiques et calculés, mais qui sont très, très efficaces et très... très pertinent. Et donc, le développement commençait à faire problème. Et c'est en réfléchissant, justement, comme je vous ai dit, finalement, au titre de cette revue « Culture et développement », que je me suis rendu compte aussi que le développement, pour finir, c'était nous. C'était une culture parmi d'autres. Et c'est pourquoi on avait organisé avec Serge un immense bazar à l'UNESCO, à Paris. Et de nouveau, toute modestie à part, je leur ai trouvé le titre, c'était « Défaire le développement, refaire le monde ». On s'était réunis pendant des mois auparavant, Rajid Ranema, une dame du monde diplomatique et d'autres, pour essayer de mettre sur pied ce colloque qu'on imaginait confidentiel. C'était des mutants marginaux qui allaient élucubrer pendant quelques heures grâce à l'UNESCO dans une mini-salle quelque part. C'était un succès de foule. Il y avait des gens dans la rue, si tu veux. Donc, dans ces années-là,
ça commençait à faire tilt dans la tête des gens, que le développement, c'était pas la fin du monde, sauf que ça risquait d'être la fin du monde, si tu veux, la fin des haricots. Et là, j'étais intervenu pour dire d'une façon provocatrice que le développement, c'était de la merde. Serge trouvait ça, même Serge trouvait ça quand même un peu exagéré. Et ça devait paraître dans la revue écologiste, la grande revue de l'écologie, mais ça a été censuré. Donc même dans le monde laïque, la censure existe. Et Serge était un peu fâché qu'on n'ait pas voulu publier ça dans les actes de ce grand... Il y avait Illich qui était là, il y avait José Bové, tous les grands ténors de l'altermondialisme étaient là. C'était à ce moment-là, mais il ne se rappelle sûrement pas que j'avais dit au camarade José, mais après Porto Alegre, on va où? Ou une fois qu'on a baisé cool et bouffé bio, qu'est-ce qu'on fait? Non. Tu vois, c'est cette mentalité judéo-chrétienne. On est sur le point d'arriver. Et après, on ne bouge plus. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte que le développement, si tu veux, vu de près, était effectivement, comme avait déjà dit Serge, c'était... Moi, j'ajouterais une certaine occidentalisation du monde et pas l'occidentalisation tout court. Parce que quand vous regardez de près, le développement décodé dépend d'un tas de facteurs qui ont lancé l'Angleterre industrielle sur le devant de la scène. Si je dis le développement, c'est de la merde, c'est que effectivement, sans un trop plein ou un surplus de crottins de cheval, l'Angleterre serait restée le parent pauvre de l'Europe. Mais il se fait qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu 6 fois plus de chevaux en Angleterre qu'en Hollande, qui était le second pays à avoir des chevaux en pagaille. Cela a libéré, par le plus grand des hasards, de la main-d'œuvre paysanne au moment même où les premiers industriels commencent à fabriquer des usines, à mettre sur pied des filatures. Les filatures ont marché parce qu'il pleut beaucoup. Les filatures ont marché parce qu'il y avait des esclaves. Les filatures ont marché parce qu'il y avait des témoins de Jéhovah, ça veut dire les... En Angleterre, il y a ce qu'on appelle les non-conformistes, les gens qui ont refusé de se conformer au catéchisme que Henri VIII avait finalement imposé sur tout le monde. Ils n'ont pas voulu signer. Et donc, les forces vives de la nation étaient du côté des farfelus, l'équivalent, si tu veux, des mormons et des témoins de Jéhovah. Le fameux, pour nous les Anglais, le fondateur de la chimie, c'est Priestley. Mais c'était un type complètement insortable au point de vue religieux. C'était un type messianico, millénaristico, apocalyptico, eschatologique. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas aller à l'université, ils ne pouvaient pas aller au Parlement, ils ne pouvaient pas aller à l'armée. Ils étaient complètement exclus de l'establishment. Et donc, toutes leurs énergies, ils les mettaient dans une créativité foisonnante. Donc, tous ces facteurs, par le plus grand des hasards, ont coagulé vers 1800 pour créer la révolution industrielle, qui est l'autre nom du développement. Et donc, c'est un one-off, c'est un hapax. Ça n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire de l'humanité. Parce que quand, dans le programme où je me suis retrouvé enfin à Louvain, qui était lié au FNUAP, le CIDEP, truc sur le développement et environnement et population. Mon grand ami
et directeur du projet Hubert Gérard me laissait une fois par an poser une question aux stagiaires qui étaient tous des Africains, haut de gamme ou ex-président, futur ministre, etc. Et je leur demandais toujours, et si tout le monde était développé? Trois points. Alors, certains m'ont dit après, Mike, d'abord on a dit, ça c'est sympa, Mike il est gentil, c'est une question extrêmement simple, on va avoir tous 10 sur 10, parce que c'est des transports en commun, c'est pas des Mercedes, c'est des cliniques en brousse, c'est pas des hôpitaux privés, c'est des écoles pour les filles, etc., etc. Et puis ils se sont dit, mais attention, Mike a dit, ça c'est le blanc en plus petit, c'est le blanc en moins performant, c'est le blanc en plus sympa. Mais ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique, pourquoi est-ce qu'il faut avoir bougé? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir de la biomédecine? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir des écoles où on s'assoit et on écoute quelqu'un expliquer que 2 et 2 font 4? Quand on n'a pas de compte numéroté en Suisse, ça ne sert à rien. La mathématique, si tu n'as pas un compte numéroté en Suisse, ça ne sert pas à grand-chose. On ne va pas compter ses vaches ni ses enfants. L'arithmétique, c'est une couillonnade. On a inventé les maths pour couillonner le peuple, pour exproprier les propriétaires en Mésopotamie, et pour calculer le mouvement des planètes pour les rois sacrés. Ce n'était pas pour aider les gens qui n'avaient pas de sous à les compter. Donc, tout ça est extrêmement équivoque. Et donc, de fait, si vous voulez, plus que tu réfléchis, plus le développement paraît être nous, en bon et en mauvais. Tout n'est pas à rejeter. Mais il faut quand même revenir à cela, le développement. Décoder, il faut appeler un chat, spade, spade, c'est un certain Occident, avec tous les coups cachés, tous les effets pervers. Et donc, il faut expliquer aux gens qu'est-ce que ça va coûter. Alors, quand j'avais créé avec un copain père blanc une ONG de développement, et on recevait des demandes des évêques africains pour des tracteurs. Alors, moi, je dis, voilà, Massey Ferguson, c'est 2 millions et demi de francs belges. Ford, c'est un peu moins cher. Puis, il y a un truc du Finlande, mais on n'a pas les pièces de rechange. J'ai expliqué. Et puis, je dis, en toute petite lettre, regardez bien, parce que c'est tellement petit, qu'il est écrit, vous devez renoncer à la grande famille africaine. Vous savez, le coût caché d'un tracteur qui a été payé par la mécanisation de l'agriculture en Europe, c'est la fin de la grande famille paysanne. C'est la fin des grands funérailles, des grands mariages où tu cessais de travailler pendant une semaine. Maintenant, tu l'entends, il travaille dehors maintenant, mais il va travailler jusqu'à minuit pour payer la dette d'un immense tracteur qui ne sert pas à lui, ça sert à Monsanto et à Dieu sait quoi. Donc, il y a un coût caché dans la mécanisation qu'il faut expliciter au départ, si on ne veut pas se trouver baisé en fin de parcours. C'est tout ce qu'on peut faire. Malheureusement, ils achètent des tracteurs, mais après une semaine, c'est foutu, parce qu'il n'y a pas de pièces de rechange, parce qu'ils ne savent pas en tirer profit. Donc, heureusement, l'Afrique, par son choix de société, ne se développe pas. Tous les projets de développement que j'ai essayé de lancer chez les Wakanongo ont foiré. Les grands et les petits. Mon puits, je dirai ça après, à la limite, parce que c'est vraiment tout. Je n'ai jamais converti un païen, mais je n'ai jamais développé un païen non plus. Non pas parce qu'ils étaient particulièrement retors, mais parce que le non-développement, c'est souvent un non au développement. Parce qu'ils savent que ça, c'est trop cher. Chez nous, ça a coûté
la mise dans les mines des enfants de 4 ans, ça a coûté le suicide des jeunes au chômage et les filles dans les filatures. Vous dites, oui, mais c'est fini maintenant, on ne met pas les enfants. Nous, non, nous, on ne les met pas dans les mines, mais en Chine, en Bolivie. Ça veut dire que le coût du développement, c'est toujours merdique. Et quelqu'un est en train de souffrir du merdier, toujours. Il n'y a pas un visage humain au développement. Il n'en a pas. C'est le diable incarné. Si un diable, c'est bien le développement.